Cromwell mourut dans la plénitude de son pouvoir et de sa grandeur. Il avait réussi au-delà de toute attente, bien plus que n'a réussi aucun autre des hommes qui, par leur génie, se sont élevés, comme lui, au rang suprême, car il avait tenté et accompli avec un égal succès les desseins les plus contraires. Pendant 18 ans, toujours en scène et toujours vainqueur, il avait tour à tour jeté le désordre et rétabli l'ordre, fait et châtié la révolution, renversé et relevé le gouvernement dans son pays. À chaque moment, dans chaque situation, il démêlait avec une sagacité admirable les passions et les intérêts dominants, pour en faire les instruments de sa propre domination, peu soucieux de se démentir, pourvu qu'il triomphât d'accord avec l'instinct public et donnant pour réponse aux incohérences de sa conduite l'unité ascendante de son pouvoir. Exemple unique peut-être que le même homme ait gouverné les événements les plus opposés et suffit aux plus diverses destinées. Le monde n'a pas connu d'exemple de succès à la fois si constant et si contraire, ni d'une fortune si invariablement heureuse au milieu de tant de luttes et de périls. Pourtant, Cromwell mourut triste. Triste non seulement de mourir, mais aussi et surtout de mourir sans avoir atteint son véritable et dernier but. Quel que fût son égoïsme, il avait l'âme trop grande pour que la plus haute fortune, mais purement personnelle et éphémère, comme lui-même ici-bas, suffit à le satisfaire. Las des ruines qu'il avait faites, il avait à cœur de rendre à son pays un gouvernement régulier et stable, le seul gouvernement qui lui convainc, la monarchie avec le Parlement. Et en même temps, ambitieux au-delà du tombeau, par cette soif de la durée qui est le sceau de la grandeur, il aspirait à laisser son nom et sa race en possession de l'Empire dans l'avenir. Il échoua dans l'un et l'autre dessein. Ces attentats lui avaient créé des obstacles que ni son prudent génie, ni sa persévérante volonté ne purent surmonter et combler. Pour son propre compte de pouvoir et de gloire, il mourut déçu dans ses plus intimes espérances, ne laissant après lui, pour succéder, que les deux ennemis qu'il avait ardemment combattus, l'anarchie et les Stuarts. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.